ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النجاة في اتباع منهاج النبوة. يقول المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى: إن أسباب النجاة من الضياع والهلاك والانحراف هي في معرفة منهاج النبوة، وفي القص على آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لزوم الصراط المستقيم الذي لزمه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. Donc le titre de ce chapitre s'appelle « Le sauvetage réside dans le suivi de la voie prophétique ». L'auteur du livre dit « Les causes de sauvetage contre la perdition et l'égarement résident dans la connaissance de la voie prophétique, ainsi que dans le suivi des traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'attachement à la voie droite qu'ont emprunté les nobles compagnons ». Effectivement, mes frères, pour être sauvé, il faut connaître la voie droite. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle la personne, elle naît. Pas quelque chose d'inné, mais c'est quelque chose qui doit être acquis par l'observation, la science et l'étude. D'où la preuve sur le fait que la voie ou le menhaj salafi, c'est une voie qui s'acquiert. C'est une connaissance qui s'acquiert. C'est pas une connaissance qui est innée. Sauf si la personne, elle vit dans un milieu où tout le monde est salafi et il a appris comme ça. Sans savoir qu'il est salafi, il l'est de par ses actes, de par sa croyance, de par ses paroles. Voilà que dans le genre de société dans laquelle nous vivons, la voie ou le ménage salafi ne peut se concevoir qu'à travers l'étude, la recherche. Il s'acquiert, il s'apprend. C'est pour ceci que l'auteur du livre dit « Les causes de sauvetage contre la perdition et l'égarement résident dans la connaissance, fi ma'rifati minhajin nubuwa, dans la connaissance de la voie prophétique. » Non. « Thumma yaqul » وذلك أنه من تجرد لله واتقى الله وصدق مع الله ولم يتبع هوى واعتمد في أخذ الدين على الكتاب والسنة على فهم سلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ونظر في فهم واستنباط العلماء علمائه أهل السنة فهو على الصراط المستقيم بعيدا عن سبل الشيطان الرجيم. L'auteur dit: car celui qui voue un culte exclusif à Allah, craint Allah, est véridique avec Allah et ne suit pas ses passions, s'appuyant dans l'acquisition de sa religion sur le livre et la sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis dans l'excellence, considérant la compréhension et la déduction des savants de la sunna, sera sur la voie droite, loin des sentiers de Shaitan, Ar-Rajim, le lapidé ou le maudit. ثم يقول إلا أن أهل الأهواء والبدع تتجارى بهم أهواؤهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، تركوا الكتاب والسنة واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، واشتغل عمتهم بعلوم اليونان والفلاسفة والمناطق وأهل الكلام والرأي، واعتمدوا على عقولهم وآرائهم في فهم دين الله، واتبعوا المتشابه من النصوص، وأخذوا يؤصلون ويقعدون ويعتقدون ويؤولون النصوص ويستدلون بالتأويل على ما أصلوا وقعدوا، وبهذا افترقت الأمة وأصابها ما أصاب الأمم قبلها، وهذا ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. Écoutez bien, mes frères. Sauf que les passions courent chez ceux qui suivent leur passion ainsi que les innovations, comme la rage court chez l'enragé. Naam, les frères. Tatajara al-ahwa fi alladhina yattabi'una ahwa'ahum kama yatajara al-karabu bi sahibi. La rage, mes frères, lorsqu'elle touche une personne,
elle prend possession de tout son corps. C'est quoi la rage, mes frères? C'est quand un chien enragé mord une personne. Et les symptômes de cette maladie, c'est que la personne ne veut plus boire, entre autres. Non, lorsqu'on lui propose de l'eau, il ne boit plus et en général, il meurt d'assèchement. Mais tout son corps est pris de folie et parmi les symptômes de la rage, c'est que la personne, elle aboie et elle fait le chien. Non, elle imite les chiens, qu'elle nous en préserve. La rage, quand elle touche la personne, elle prend possession de tout son corps. Et le prophète a donné cet exemple pour dire que les passions, lorsque la personne, elle suit ses passions, eh ben, c'est tous les membres de son corps qui vont être touchés par ceci. Et les passions coulent dans son corps, comme la rage s'imprègne de tout le corps de l'enragé. Et ils ont délaissé le livre et la sunna, préférant échanger ce qui est meilleur pour ce qui est moins bon. Qu'est-ce qui est meilleur ici? C'est le livre et la sunna, selon la compréhension des compagnons du prophète. Et ils ont pris ce qui est moins bon, c'est quoi? Leur voix à eux, leur croyance à eux, déviée et déviante. Ceci est relatif à un verset coranique où Moussa avait dit à son peuple: Allah leur avait attribué quoi? La manne et la caille. Deux sortes d'oiseaux. Des viandes. Eux, ils avaient dit quoi? Demande à ton Seigneur qu'il nous fasse descendre toutes sortes de fruits et légumes. Les lentilles, l'ail et l'oignon, etc., etc. Et Moussa leur a dit: vous délaissez le meilleur pour ce qui est le moins bon. Vous délaissez la viande, surtout la viande d'oiseau, qui est une des meilleures viandes, pour les fruits et les légumes. Ici, le Mu'allif nous dit, il délaisse ce qu'il y a de meilleur, ce qui constitue la guidée qu'Allah nous a fait descendre et qu'Allah nous a montré pour ce qui est moins bon, c'est-à-dire les passions, les innovations religieuses et toutes les voies déviantes. Donc ils ont délaissé ce qui est meilleur pour ce qui est moins bon. La plupart d'entre eux s'occupant des sciences grecques. Ulum al-Yunan, les sciences grecques, c'est quoi les sciences? On en avait déjà parlé, mes frères. Les sciences grecques, ce sont les sciences de la philosophie grecque. Tous les écrits de Aristote, de Platon, tous ces écrits-là, qui au final renvoient à la science de la raison. Non, en jugeant toute chose par la raison humaine. Il faut savoir que ces gens-là étaient des associateurs et adorateurs des étoiles. Donc les textes, ces textes grecs ont été traduits au 3e siècle de l'Égypte sous l'ordre de Ma'moun. Les traductions ont fait beaucoup de mal chez les musulmans car les musulmans ont été imprégnés de ces traductions et ils ont mélangé justement ces règles de philosophie grecque avec la croyance des musulmans. Et ça a causé beaucoup de dégâts. S'occupant des sciences grecques ainsi que de la philosophie et de la rhétorique, des gens du kalam et de la raison, s'appuyant sur leur raison et sur leurs avis dans la compréhension de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, notamment dans les noms et les attributs d'Allah, en disant, non pas comme disaient les sahaba, sur les noms et les attributs d'Allah, on reconnaît tous les noms et les attributs d'Allah, sans en faire une interprétation douteuse, sans les concevoir avec notre raison. Eux, ils ont dit non, tout ceci doit être compris sous la raison humaine. Si la raison humaine le conçoit, on les accepte. Si la raison humaine ne le conçoit pas, on les rejette. C'est pour ceci que l'Asha'ira ont accepté 7 et dans une autre voie des Asha'ira, 13 attributs divins, pas plus. Et ces attributs divins qu'ils ont acceptés, ce sont ceux qui peuvent être appréhendés par la raison. Quels sont-ils? Ils disent, Allah c'est lui le vivant. Car la raison humaine ne peut concevoir un Dieu qui est mort. Donc ils disent, on attribue à Allah la qualité ou l'attribut du vivant. La science, on ne peut concevoir un seigneur ou un dieu qui est ignorant ou qui oublie ou qui est sujet à la contradiction. Donc ils attribuent à Allah l'attribut de la science, parfaite. Pareil, la vue et l'ouïe. Ils disent, il est impossible qu'Allah ne puisse pas voir et ne puisse pas entendre. Pareil, la puissance, al-qudra. Ils disent, on ne peut pas concevoir un Seigneur qui est incapable. Il est forcément capable de toute chose. Donc, ils attribuent l'attribut de la capacité. Donc, vous voyez qu'ils attribuent à Allah des attributs, mais de par la raison, après réflexion. Alors que les gens de la Sunna, ils ne sont pas comme ça. Les gens de la Sunna attribuent à Allah tout ce qu'il s'est attribué à lui-même dans son livre, ou tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué à travers sa Sunna. Par exemple, l'attribut de la miséricorde.
Ces gens-là, Al-Asha'ira, disent que Allah n'est pas miséricordieux. Pourquoi? Car ils disent que la miséricorde est un attribut d'imperfection, qui est propre aux êtres humains. Allah ne peut pas être miséricordieux. Allah ne peut pas aimer. Ils disent Allah ne peut pas aimer, car l'amour est un attribut d'imperfection. Voilà ce qu'ils disent ces gens-là. Al-Asha'ira wa al-Mu'tazila wa man laffa laffahum. Alors que les gens de la Sunna disent non. Allah tabaraka wa ta'ala s'est attribué l'attribut de la miséricorde et de l'amour. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dites, si vous aimez Allah, suivez-moi et Allah vous aimera. Donc Allah s'est attribué à lui-même l'attribut de l'amour. Allah, il aime ses serviteurs. Et l'amour d'Allah n'est pas comparable à l'amour de ses créatures. Voilà comment on doit concevoir la chose. Pas comme l'Asha'ira ou l'Mu'tazila qui ont dit, puisque l'amour est un attribut d'imperfection, on ne qualifie pas Allah par cet attribut. Donc, ils ont compris la religion selon leurs avis, selon leur compréhension personnelle. Et ceci en suivant les textes ambigus, se mettant à émettre des fondements et des règles, puis forger une croyance à la suite de ceci. Nous avons déjà expliqué ceci. Interprétant faussement les textes et s'appuyant de ces interprétations sur ce qu'ils ont établi comme règles et fondements. C'est pour cette raison que la communauté s'est divisée et a été touchée comme furent touchées les communautés avant elle. Et ceci, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. نعم الفخر افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي التي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Les juifs et les chrétiens se diviseront en 72 sectes, toutes iront dans le feu, et ma communauté se divisera en 73 sectes, elles iront toutes dans le feu sauf une. Ce sera celle qui sera sauvée, ce sera celle qui sera sur la voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Naam les frères, la voie du prophète, de son vivant, et la voie qu'ont emprunté les compagnons du vivant du prophète, c'est la voie de sauvetage. Naam, donc il est important de la connaître. Et voilà le sujet de ce chapitre. Naam. ثم يقول المؤلف فإن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وحدوا مصدر الترقي فأخذوا الكتاب والسنة ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر في غيرهما فصفى النبع صفاء غير معهود واستقاموا على الصراط استقامة لم تكن قبل في أتباع نبي من الأنبياء. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont unifié quoi? Les sources de législation. Ça veut dire quoi unifier les sources de législation? C'est-à-dire qu'ils l'ont pris leur religion qu'une source qui est unique, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avez-vous entendu un jour un compagnon prendre du livre des chrétiens et des juifs, prendre des grecs, prendre des perses, des mouchriquines? Non, ils prenaient leur religion d'où? Du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que le prophète un jour a vu entre les mains de Omar ibn al-Khattab des feuilles de la Torah, des feuilles du livre des juifs. Omar avait dans sa main des feuilles du livre des juifs de la Torah, car il avait vu dans ces feuilles des similitudes avec le Coran. Et il a été, comment dire, émerveillé par ceci. Le prophète, il lui a dit quoi? Il lui a dit, « Ma hadha ya Omar ?» Qu'est-ce que ceci, ya Omar? Alors, Omar lui a dit, « Ce sont des feuilles de la Torah, du livre des Juifs. » Le prophète lui a dit, « Amutawahikuna fiha antum ya ibn al-Khattab ?» Il lui a dit, « Vous êtes perplexe quant à la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Avez-vous des doutes sur la législation d'Allah pour que vous puissiez lire dans le livre des Juifs et des Chrétiens ?» Donc, c'est une réprobation flagrante. C'est une réprimande flagrante que le prophète a fait à Omar ibn Khattab. En lui disant, tu n'as pas besoin de ceci. Dans le Coran et la Sunna, il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses cheminer sur la voie droite. Pourquoi aller puiser alors dans le livre des Juifs et des Chrétiens? À plus forte raison, mes frères. Pourquoi aller puiser
dans les philosophies grecques, l'âme, ou dans les livres des intellectuels, divers, quels qu'ils soient. On n'a pas besoin de ceci. فَقَدْ كَفَانَ اللَّهُ مَعُونَةَ نعم. Allah tabaraka wa ta'ala nous a dispensé de ceci. Alhamdulillah. Et le livre, il est parfait. Et la religion d'Allah, elle est parfaite. Il y a tout ce qu'il faut savoir dedans. Tout ce qu'il faut savoir pour cheminer sur la voie d'Allah se trouve dans ces deux sources de législation. C'est en ceci que l'auteur du livre dit, les compagnons ont unifié les sources de législation. Et ils ont pris du livre de la sunna. Et le prophète leur a interdit de regarder Naam, et de chercher dans autre que ces deux sources de législation. Aussi, les compagnons ont fait preuve de rectitude et ils ont puisé de cette source qui est pure. Ils ont fait preuve de rectitude, chose unique dans l'histoire. Aucune personne autre les compagnons, parmi les générations qui ont précédé le prophète alayhi salam et les compagnons, n'ont fait preuve de rectitude comme ont fait preuve de rectitude les compagnons envers le message divin et prophétique. Ils représentent une exception dans l'histoire. Un peu plus loin dans ce chapitre, Ibn Battah, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, yaqul ba'da dhikrihi ahaditha fil iftiraq fi kitabihi al-jalil al-ibana yaqul wa innama dhakartu hadhihi al-ahaditha fi hadha al-mawdi' min hadha al-kitab ليعلم عقلاء من المؤمنين وذو الآراء من المميزين أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قد صحت في أهل زماننا فيستدلوا بصحتها على وحشة ما عليه أهل عصرنا فيستعملوا الحذر من موافقتهم ومتابعتهم ويلتزموا اللجأ والافتقار إلى الله عز وجل في الاعتصام بحبله والتمسك بدينه والمجانبة والمباعدة ممن حاد الله في أمره وشرد شرود البعير الناد المختلم. ابن بطه رحمه الله تبارك وتعالى un grand savant de l'école de l'imam Ahmed. C'est important de le signifier ici car il est connu dans l'histoire que grands savants du madhhab al-Hanbali, ce sont ceux d'une manière générale qui étaient les plus proches de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ça, ce n'est pas faire preuve de sectarisme envers l'école de l'imam Ahmed, mais c'est une constatation historique. Non. Ibn Battah dit, qu'Allah le fasse miséricorde, dit, après avoir cité tous les hadiths concernant les divisions, le hadith que je vous ai cité peu avant, où le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté se divisera en 73 sectes, toutes iront dans le feu de l'enfer sauf une. Après avoir cité tout ceci, l'imam Ibn Battah dit, j'ai certes cité ce hadith à cet endroit du livre afin que les gens doués de raison parmi les croyants, afin que ceux qui sont aptes à donner des avis parmi ceux qui distinguent, que les informations de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont été validées sur les gens de notre époque. Elles ont été validées, c'est-à-dire elles ont été approuvées. C'est-à-dire le prophète a informé de choses qui allaient se passer dans le futur et elles se sont réalisées. Et il s'appuie sur cette validation pour montrer là l'étrangeté sur laquelle sont les gens de notre époque. Ils utilisent la méfiance concernant l'approbation qui leur est accordée et le suivi et s'appliquent à se réfugier, à revenir vers Allah en se cramponnant à son câble, sa religion, l'éloignement et l'écartement de tous ceux qui s'opposent à Allah dans son ordre à la manière d'un dromadaire réfractaire et en route. Non. Ici, Ibn Battah donne une image de ceux qui s'opposent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'ils sont comparables à des dromadaires qui sont réfractaires et en route. En route, c'est-à-dire qu'ils recherchent des femelles, donc ils ne peuvent être contrôlés. Yaqulu kadhalika wa qala aydan babun dhikru افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك. Il dit aussi le chapitre 2 points, l'évocation des divisions des communautés dans leur religion et en combien de sectes cette communauté se divisera, ainsi que l'information du prophète صلى الله عليه وسلم dans ceci. Donc Ibn Battah a intitulé un chapitre
de cette manière, à la manière des pieux prédécesseurs. Kitab al-Ibana, nous l'avions déjà évoqué, c'est un livre qui traite des fondements de la religion et des fondements de la sunna. Il dit, يقول, وقال, رحمه الله تبارك وتعالى, écoutez bien les frères, قد ذكرت في أول هذا الكتاب, يعني الإبانة, ما قصه الله عز وجل علينا في كتابه من اختلاف الأمم, وتفرق أهل الكتاب, وتحذيره إيانا من ذلك, وأنا أذكر الآن ما جاءت به السنة, وما أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من كون ذلك, ليكون العاقل على حذر من مصاحمة هوى ومتابعة بعض الفرق المذمومة, وكي يتمسك بشريعة الفرقة الناجية فيعض عليها بنواجذه ويضمها بجنبيه, ويلزم المواظبة على الالتجاء والافتقار إلى مولاه الكريم في توفيقه وتسديده ومعونته وكفايته رحمه الله تبارك وتعالى. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. J'ai certes évoqué au début de ce livre, c'est-à-dire Al-Ibana, son livre à lui, ce qu'Allah nous a raconté dans son livre concernant les divergences des nations, ainsi que les divisions des gens du livre, et sa mise en garde contre ceci. Il dit, je m'efforce maintenant d'évoquer ce qui a été rapporté dans la Sunna et de ce que nous a enseigné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cet état de fait, afin que le doué de raison soit sur une méfiance à l'égard de la complaisance dans ses passions, ainsi que le suivi de certaines sectes réprouvables, afin qu'il s'accroche à la législation du groupe sauvé, y mordant à pleines dents, la serrant autour de lui en s'attachant scrupuleusement à se réfugier et à revenir vers son Seigneur le Très Noble pour la réussite qu'il pourrait lui octroyer, ainsi que son aide et son soutien. قال رحمه الله تبارك وتعالى فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه الله بالعلم ثم قال جعلنا الله وإياكم ممن أحياه بالعلم ووفقه بالحلم وسلمنا وإياكم من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Certes, peu de gens à notre époque ont été préservés dans leur religion. Le sauvetage est presque inaccessible et difficile d'accès, sauf celui à qui Allah a octroyé sa protection et l'a fait vivre par la science. Puis il dit qu'Allah nous compte parmi ceux qu'il a fait revivre par la science et a donné la réussite par la mansuétude et la patience, et qui nous protège, ainsi que vous, de l'ensemble des tentations et troubles apparentes et cachées. Amin. Non, mes frères, il a vécu à quelle époque l'imam Ibn Battah? Entre le 3e et le 4e siècle de l'Hégira. Regardez ce qu'il dit. Il dit, certes peu de gens à notre époque ont été préservés dans leur religion. Imaginez-vous cet imam vivre à notre époque. Que dirait-il? Non, mes frères. Le chapitre suivant, سماه المؤلف أسباب الانحراف عن منهاج النبوة, les causes de la déviance à la voie prophétique. لقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الاختلاف والافتراق وأخبرنا أن الأمة ستفترق على النحو الذي ذكره صلى الله عليه وسلم وقد وقع هذا كله كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. Certes, notre prophète qu'Allah prie sur lui sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre les divergences et les dissensions ou les divisions, et nous a informé que la communauté se divisera de la manière dont il l'a décrit, c'est-à-dire en 73 sectes. Et tout ceci se réalisa exactement comme il l'a informé sallallahu alayhi wa sallam. Amma asbab al-ikhtilaf wal-iftiraq wal-inhiraf 'an minhaj an-nubuwwah fa kathira. Minha ittiba' al-hawa,
Rappelez-vous, mes frères, que nous avions étudié un chapitre entier au début du livre concernant les causes de l'égarement de la voix prophétique. Et l'auteur du livre avait dit, en résumé, que les deux sources principales d'égarement sont premièrement faire devancer la raison sur les textes religieux. الذين يقدمون العقل على النقل من أصحاب الآراء والمتكلمين. C'est ceux qui font devancer la raison dans toute chose, même sur les textes religieux. Alors qu'Allah dit تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Ne prenez pas des positions qui n'ont pas été légiférées dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et craignez Allah. On comprend bien, mes frères, que celui qui fait devancer ses passions ou sa raison devant les textes du livre d'Allah et de la sunna du prophète, celui-là est en marge de la piété d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et celui qui met en avant, au contraire, le texte du Kitab, du livre d'Allah, de la Sunna du prophète, celui-là aura fait preuve de piété. Donc ça, c'est la première source d'égarement, c'est ceux qui font devancer leur raison sur les textes religieux. Et bien sûr, à travers l'histoire, on a plein d'exemples, comme les gens qui sont, Ahlul Kalam, ceux qui ont mélangé la religion à la philosophie grecque. El Asha'ira, ou El Mu'tazila, والماتريديه وغيرهم وغيرهم كثير. Et la deuxième source de d'égarement principale, c'est ceux qui ont fait devancer leur passion sur les textes religieux. Arbab al-awatif wa hadha huwa turuq al-mutasawwifa. C'est la voie des soufis, ceux qui ont fait devancer leur ressenti, leur passion sur les textes religieux en disant la chose que je fais, j'y trouve du bien ou j'y ressens du bien. D'accord ? Je ressens un bien-être dans cette chose-là, donc je la fais. Même si Allah ne l'a pas permise, même si Allah ne l'a pas légiférée, je la fais. Ça, c'est un petit rappel parce que vous verrez que ce chapitre-là est en corrélation avec celui que l'on a déjà étudié. Je vous ai traduit la parole d'Ibn al-Qayyim, écoutez bien, mes frères. Quant aux causes de divergence, des dissensions et la déviation à la voie prophétique, elles sont nombreuses. Parmi elles, il y a le suivi des passions. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى إن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء. نعم. Je vais vous la traduire petit à petit, inshallah. Ibn al-Qayyim dit qu'Allah le fasse miséricorde. Les passions ne se mêlent à une chose sans qu'elles la corrompent. Les passions ne se mêlent à une chose sans qu'elles viennent la corrompre. Non. Si elles surviennent, entre parenthèses, ces passions, dans la science, elles l'emmèneront son auteur vers l'innovation religieuse et l'égarement. Et son auteur fera partie de l'ensemble des gens de la passion. Non. فَإِنْ وَقَعَ فِي الزُّهْدِ أَخْرَجَ صَاحِبَهُ إِلَى غْرِيَاءِ وَمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ. Et si elles surviennent dans l'ascétisme, elles emmèneront son auteur vers l'ostentation et la contradiction à la sunna. وَإِنْ وَقَعَ فِي الْحُكْمِ أَخْرَجَ صَاحِبَهُ إِلَى الظُّلْمِ وَصَدَّهُ عَنِ الْحَقِّ. Et si elles surviennent dans la justice, c'est-à-dire le fait de juger entre les gens, elles conduiront son auteur vers l'injustice et l'opposition à la vérité. وَإِنْ وَقَعَ فِي الْقِسْمَةِ خَرَجَتْ عَنْ قِسْمَةِ الْعَدْلِ إِلَى قِسْمَةِ الْجَوْرِ. Et si elles surviennent dans le partage, elles le conduiront à l'impartialité. وَإِنْ وَقَعَ فِي الْوِلَايَةِ وَالْعَزْلِ أَخْرَجَ صَاحِبَهُ إِلَى خِيَانَةِ اللَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ. Et si elles surviennent dans l'attribution d'une fonction ou la destitution d'une fonction, quelle qu'elle soit,
elles le conduiront à la trahison envers Allah et la trahison envers les musulmans, de telle sorte qu'il attribuera une fonction ou une gouvernance d'une région par passion ou le destituera par passion. Lorsque les califes à l'époque attribuaient des gouvernances dans différentes régions, c'est ce qu'on appelle At-Tawliya. Certains le faisaient par passion ou parce que c'était un proche de sa famille. Il lui disait, toi tu seras gouverneur de telle région ou de telle province. Ou toi je te destitue, je mets à ta place quelqu'un que j'aime. Non, par passion il le fait. Ça existe encore à notre époque ça. Quand des gens arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils mettent autour d'eux? Les gens de leur famille. وَإِنْ وَقَعَ فِي الْعِبَادَةِ خَرَجَتْ عَنْ أَنْ تَكُونَ طَاعَةً وَكُرْبَةً فَمَا قَارَنَ شَيْئًا إِلَّا أَفْسَدَ. Et si elles surviennent, ces passions, dans les actes d'adoration, elles le feront sortir de l'obéissance et du rapprochement de son Seigneur. Il dit en conclusion de ceci, elles, entre parenthèses des passions, ne sont pas liées à une chose sans qu'elles la corrompent. تِبَاعُ الْهَوَى. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام الشاطبي إمام من أئمة السنة رحمه الله تبارك وتعالى، عاش في الأندلس فألف كتابين، وهذان الكتابان يعتبران أصلا أو مرجعا من المراجع من كتب السنة. Cet imam, il a écrit deux livres. Non, c'est un grand imam de la Sunna qui a vécu en Andalousie. Mais ces deux livres-là, ce sont des livres référence. Non, et je vous avais déjà expliqué ceci. C'est que lorsque vous voyez des savants qui ont écrit peu de livres, mais les livres qu'ils ont rédigés ou écrits sont des livres référence, alors ceci nous montre la probité et la valeur de ces savants. Comme l'imam Ahmed. L'imam Ahmed n'a pas écrit beaucoup de livres. Mais le peu qu'il a écrit, ce sont des livres de référence. L'imam Shatibi fait partie, c'est l'imam Al-Ajuri. Ça ne veut pas dire que les savants qui écrivent beaucoup de livres n'ont pas de valeur. Ou ne sont pas des vrais savants. C'est pas ça que ça veut dire. Les grands savants qui écrivent peu de livres et dont leurs livres sont des références et traversent les siècles et les lieux, alors sachez que ceci nous montre la valeur de ces savants. Parmi eux, l'imam Shatibi. Il a écrit deux livres, Al-I'tisam, qui est un livre qui traite justement de l'I'tisam. Ça veut dire quoi, les frères? Vous devriez le savoir. Abdel Karim, Al-I'tisam, ça veut dire quoi? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Al-I'tisamu. Cramponnez-vous. Non, c'est le fait de s'accrocher fermement, avec fermeté. Donc, il a appelé son livre, l'imam Shatibi, un de ses deux livres, il l'a appelé Al-I'tisam. L'I'tisam, il traite de quoi, ce livre? Il traite justement de l'attachement à la sunna. Et il y a toute une deuxième partie du livre qui traite de quoi? De l'innovation religieuse. Si ce n'est que le fil conducteur de ce livre, c'est la réfutation sur l'innovation religieuse. Non, c'est le fil conducteur du livre. Mais il traite, bien sûr, de l'attachement à la sunna. C'est directement lié. Non. Et le deuxième livre qu'il a écrit, c'est Al-Muwafaqat. Al-Muwafaqat, c'est un livre qui traite des fondements de la charia. طيب je reviens au livre. L'imam Shatibi يقول رحمه الله تبارك وتعالى وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهوى وهو اصل الزيغ عن الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. في سورة آل عمران يقول الذين في قلوبهم زيغ أي في قلوبهم ميل عن الحق. Je vais vous traduire ceci. Même Shatibi dit, il a certes été prouvé et établi par ceci de la façon de suivre les passions. Comment les gens ils suivent les passions? Et il ramène un verset coranique que je vais vous citer. Il dit, les passions qui constituent la base de la déviance à la voie droite. C'est la base de la déviance à la voie droite ou par rapport à la voie droite. L'imam Shatibi a dit les bases de la passion ou les bases de l'égarement plutôt résident dans les passions. Je reprends la parole de l'imam Shatibi. Il dit, il a certes été établi par ceci
la façon de suivre les passions, qui est la base de la déviance à la voie droite. Le Très-Haut a dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, il s'y trouve des versets sans ambiguïté, qui sont la base du livre. Ayatul Muhkamat. Et d'autres versets qui peuvent prêter à diverses interprétations. Les gens, donc, qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement, suivent les versets à équivoque. Là, on l'avait déjà expliqué ce verset-là. Cherchant les conflits et essayant de leur trouver une interprétation douteuse, alors que nul n'en connaît une interprétation à part Allah. Là. Il dit ceux qui ont dans le cœur une déviance, c'est-à-dire ceux dont les cœurs ont un penchant en dehors de la vérité. Leurs cœurs ont un penchant qui les mène vers des sentiers hors de la vérité. Thumma yaqul, qala ba'du al-ulama, saru firaqan li-ittiba'i ahwa'ihim wa bi-mufaraqati ad-din, tashattatat ahwa'uhum wa-iftaraku, wa huwa qawluhu ta'ala, innal ladhina faqraqu dinahum wa kanu shi'a, thumma baghra'ahu Allah minhum biqawlihi لست منهم في شيء وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. L'imam al-Shatibi continue en disant, a dit, certains savants ont dit, elles sont devenues des groupes où ces gens-là se sont constitués en groupes, en sectes, du fait du suivi de leur passion. Et à cause de ce détachement de la religion, leurs passions se sont émiettées et ils se sont divisés. Et ceci est dans la parole du Très-Haut, ceux qui ont divisé ou ceux qui ont émietté leur religion et se sont constitués en secte. Puis Allah a innocenté son prophète de leurs agissements en disant, tu n'as pas à répondre d'eux. Tu n'es en rien responsable de ceci. Là, vous l'avez expliqué ce verset. Lorsqu'Allah dit que les gens se sont constitués en secte religieuse, et Allah a innocenté son prophète en disant « Lasta minhum fi shay », tu n'es pas responsable de tout ceci. Là, car le prophète n'a pas appelé à ceci, mais le prophète a appelé à une religion unique. Le prophète a appelé à ce que les gens se réunissent autour du livre d'Allah, de la sunna du prophète. Si les gens se sont divisés par la suite, si les gens ont fait opposition au livre d'Allah, sunna du prophète par la suite, est-ce que ceci relève de la responsabilité du prophète? Ce n'est pas la responsabilité du prophète. Non. À la fin du livre, on le verra ça dans un autre cours, Inch'Allah. L'auteur du livre dit qu'on ne peut juger une chose par les conséquences de cette chose-là. Ce n'est pas parce que la religion s'est divisée qu'elle a appelé à ceci. Ce n'est pas parce que la religion ou parce que les musulmans font toutes sortes de péchés que la religion appelle à ça. On ne peut juger les choses par leurs conséquences, mais on juge toujours les choses par leurs causes. Donc c'est pour ceci que le prophète est innocent de toutes ces divisions qui sont apparus dans la religion. Non. Donc on ne peut pas faire le procès aux musulmans des divisions qui ont lieu à notre époque. Non. On ne peut pas leur dire votre religion appelle à ça. Pour preuve, c'est qu'il y a toutes sortes de divisions à votre époque. Au contraire, on leur dit quoi? On leur dit non. Notre religion appelle à l'union autour du livre d'Allah et de la sunna du prophète. Et en même temps, notre religion a mis en garde contre toutes sortes de dissensions et de divergences par rapport à ce fondement. Puis Allah l'a innocenté de leurs agissements en disant « Tu n'as pas à répondre d'eux. » Ce sont les gens de l'innovation, ceux qui ont divisé leur religion. Les gens de l'égarement et de la parole, dans ce qu'Allah n'a pas autorisé, ni son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit des choses dans la religion dont ils n'ont pas reçu l'autorisation de parler. Ça c'était la parole de l'imam Shatibi, rahmallahu tabaraka wa ta'ala. فمن أعظم أسباب الافتراق والاختلاف اتباع الهوى وأما التجرد لله تبارك وتعالى خالصا وأما قيام العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى خاشعا يسأله الهداية ويتضرع إليه بحديث نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
parmi les plus grandes causes de la dissension et de la divergence. 2. Le suivi des passions. Quant à celui faisant preuve de sincérité envers son Seigneur le Très-Haut, le serviteur, se tenant devant son Seigneur le Très-Haut, humble, faisant preuve d'humilité envers lui, lui demandant la guider, l'implorant par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, mes frères, c'est une doa que faisait le prophète lorsqu'il se levait la nuit. Sallallahu alayhi wa sallam. Ô Seigneur de Jibra'il, Mika'il wa Israfil. Ce sont ces trois anges. Créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et de l'apparent, c'est toi qui juges entre tes serviteurs dans ce sur quoi ils divergent. Guide-moi par ta permission sur la vérité à propos de ce sur quoi les gens divergeaient, car certes tu guides qui tu veux vers un droit chemin. Il dit يتجرد من هواه ويقبل على مولاه ويعلم أن الأمر جد وأن الإنسان إذا أسلم زمام نفسه للهوى فإنه يقوده إلى كل شر. Il se débarrasse de ses passions, revient vers son maître Allah tabaraka wa ta'ala, et sait pertinemment que l'affaire ou que la chose est sérieuse. Quant à l'homme qui remet les rênes de son âme à ses passions, alors certes elles le conduiront vers tout mal. Non mes frères, c'est une image que Cheikh Hassan donne. Si tu remets les rênes d'un cheval, non, quand tu les as dans ta main, c'est toi qui le diriges comme tu veux. Non. Si toi tu donnes les rênes de ton âme à tes passions, en lui disant, conduis-moi où tu veux, fais ce que tu veux de moi, elles le conduiront où? À la perte, à la perdition. Qu'Allah nous en préserve. C'est un effort personnel, c'est un effort quotidien que chacun doit faire. Naam. Ne pas se laisser aller, mes frères. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَمِّهِ الْقُرْآنُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Et le Coran nous a certes montré la réprobation faite à cet homme-là dans sa parole. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Il prend sa passion pour sa propre divinité jusqu'à ce que pour lui, les passions, c'est l'alpha et l'oméga. Il ne voit que par ses passions. Il fait défoncer ses passions sur les recommandations divines. Naam, ou sur les ordres de son Seigneur. C'est comme s'il avait pris ses passions comme une divinité. Il lui obéit au doigt et à l'œil. Même il l'adore. Qu'Allah nous en préserve. Et يقول المؤلف ولم يأتي في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذنب. Le terme de passion, et ça c'est très important que vous compreniez ceci mes frères. Le terme de hawa dans le Coran, il n'a été évoqué dans le Coran qu'à titre de réprobation. Il n'a jamais été utilisé dans le Coran dans un sens qui est bon ou dans un sens qui est positif. Il a toujours un sens péjoratif ou à titre de réprobation et de réprimande. À chaque fois que vous verrez le terme de hawa, c'est toujours pour réprimander la personne qui les suit ou qui se laisse aller dans les passions. فقد حكى ابن وهب عن طاووس أنه قال ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إلى غير ذلك من الآيات. ابن وهب a rapporté de طاووس qui a dit Allah n'a pas évoqué dans le Coran la passion sans qu'il l'a réprouvé. Puis il dit, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah? C'est un verset que nous avions déjà expliqué. C'est une partie d'un verset où Allah dit au début de ce verset فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكْ فَعْلَمْ أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Et s'ils ne répondent pas à ton appel, sache qu'ils suivent leur passion. وَالْقِسْمَةُ ثُنَائِيَّةٌ. Il y a deux divisions ici. Ou une division en deux parties. Ou bien on répond à l'appel du prophète. Ou Allah dit, s'ils ne répondent pas à ton appel, alors quoi? Sache qu'ils suivent leur passion. Donc, ou bien la personne, elle suit, elle répond à l'appel du prophète, elle suit la voix du prophète, ou bien alors elle suit ses passions. Il n'y a pas de troisième voie. N'aime les frères? Et Allah dit, juste après ceci, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah? Donc, el-haqq wahid.
la réalité est une. C'est la voix du prophète. En dehors de ça, c'est une voix d'égarement. C'est important de comprendre ceci. Non pas comme ceux qui disent la vérité a de multiples facettes. Tous les chemins mènent à la vérité, comme disent les soufis. Non. Toutes les voies mènent vers Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est de la philosophie. Non. C'est la voix du prophète qui mène vers Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce que dit Cheikh l'Islam. Rahimallahu tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que j'ai voulu tout vous traduire. Car ce sont des paroles qui, normalement, devraient nous faire réfléchir, Inch'Allah. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وإرادة وغير ذلك فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه الشيخ الإسلام دي Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimallahu tabaraka wa ta'ala, l'amour et l'aversion sont suivis par ce qu'on appelle al-dhawq, un goût, une saveur. Et ceci lors de la présence de la chose bien-aimée ou de la chose prise en aversion. Ainsi que une allégresse, un désir et autres. Celui qui suit ceci en faisant abstraction de l'ordre d'Allah et de son envoyé, fait partie de celui qui suit ses passions sans se baser sur une guidée d'Allah. Naam. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Certaines personnes, notamment parmi les soufis, ils disent, lorsque je fais ce zikr-là, en disant Allah, 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 etc., etc. Naam. Jusqu'à ce qu'ils disent Hu, 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 Hu. Et ils tombent en transe comme ça. Après coup, on leur pose la question, qu'as-tu ressenti? Ils disent, je ressens un bien-être inexplicable. Inexplicable. Il ressent quelque chose, c'est vrai ou non? Il ressent quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait abstraction de l'ordre divin, comme dit ici Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et du prophète. Il n'a pas regardé est-ce que la chose qu'il est en train de faire, elle est légiférée. Donc celui-là, comme dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il est en train de suivre ses passions. Il est en train de suivre ses passions. Sans se baser sur une guidée d'Allah. Et il dit, cher l'Islam, et cette chose-là, elle peut perdurer dans le temps jusqu'à ce qu'il prenne cette chose-là comme une divinité. Ça, c'est un exemple que je vous ai donné. Il y a des millions d'exemples dans ceci. Non. Celui, par exemple, qui fait un acte parmi les actes d'adoration non légiféré et qui arrive au nirvana. Vous avez entendu cette chose-là, le nirvana. Le nirvana, on le dit en arabe, al-fana. C'est une terminologie soufie. C'est un doux. C'est un doux. Mais les soufis ont gardé. Les soufis, ils n'appellent pas ça le nirvana, ils appellent ça al-fana. Al-fana, c'est lorsque tu rentres en communion avec Allah, tabaraka wa ta'ala. En communion avec Allah. Par toute une série de procédés et d'initiations. Alors, ils arrivent à ceci, au nirvana. Et lorsqu'ils arrivent à ceci, ils s'identifient à Allah, tabaraka wa ta'ala. En disant, je suis Allah ou je suis devenu Allah. Ou Allah s'est matérialisé en moi. Non, mes frères. Et comme tu le dis très justement, ce sont des croyances empreintes des hindous. Ou des peuples comme ça qui avaient ces croyances-là déjà. Donc il faut bien comprendre la parole de Cheikh l'Islam et de Taïbien. Celui qui fait ça, il a suivi ses passions. Que ça soit dans l'amour ou dans l'aversion d'une chose. Il dit, « فَالْوَاجِبُ عَلَى الْعَبْدِ » أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدما فيه بين يديه الله ورسوله فإنه قد قال الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Il dit, ce qui est obligatoire pour le serviteur, c'est qu'il doit considérer son amour et son aversion, ainsi que la mesure de son amour et de son aversion, s'il est en conformité avec l'ordre d'Allah et de son envoyé. Sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, « Ju'ilat kuhratu ayni fi salah » Hadith authentique. « La réjouissance de mon cœur, ou de mes yeux, ou de mon âme,
m'a été rendu dans la prière. Le prophète trouvait le bonheur dans quoi ? Dans la prière. Donc toute personne qui trouvera le bonheur dans la prière, comme celle du prophète, alors celui-là, on pourra dire qu'il est en conformité, son amour, il est en conformité avec l'ordre divin ou l'ordre prophétique. Pas une prière innovée. Et quelqu'un qui prie comme le prophète, qui est sincère, qui prie pour Allah, tabaraka wa ta'ala, et qui retrouve ce réconfort qu'a trouvé le prophète, à plus ou moins grande échelle dans sa prière, et qui aime cet acte d'adoration, alors on pourra dire que son amour, là, il est conforme à ce qu'Allah a légiféré. Tabaraka wa ta'ala. Les exemples sont nombreux, bien sûr. Là. Le prophète aussi aimait qu'on lui dise le Coran. Le prophète aimait qu'on lui dise le Coran. Le prophète détestait que les lois d'Allah soient bafouées, etc., etc. Tout ceci doit être en conformité avec la législation divine. Donc, cher l'Islam dit, ce qui est obligatoire pour le serviteur, c'est qu'il doit considérer son amour et son aversion, ainsi que la mesure de son amour et de son aversion, s'il est en conformité avec l'ordre d'Allah et de son envoyé, qui est la guidée d'Allah, qu'il a descendu sur son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, afin que cet amour ou cette aversion, cette aide soit un ordre divin ou prophétique, afin qu'il ne devance pas dans ces choses-là Allah et son envoyé. Car certes, le Très-Haut a dit, ne devancez pas Allah et son messager. وَمِنْ أَسْبَابِ الْإِخْتِلَافِ وَالْإِفْتِرَاقِ وَالْإِنْحِرَافِ عَنْ مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ الْجَهْلُ الْجَهْلُ بِمَعَانِي وَدَلَائِلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَآثَارِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ مِنْ عُلَمَاءِ وَجَهَابِذَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ. Parmi les causes des divergences et de dissensions et de déviances de la voie prophétique, il y a l'ignorance. L'ignorance des sens qui sont inclus dans la sunna ou que renvoie la sunna et des preuves du livre de la sunna. Ainsi que l'ignorance quant aux traces des compagnons et des suiveurs. Là, les gens ne connaissent pas tout ça, mes frères. Vous leur demandez qui sont les 10 élus du paradis que le prophète a cités nominalement, les gens ne connaissent pas. Alors que c'est des choses que tout le monde doit connaître. Racontez-moi la bataille de Badr, les gens ne connaissent pas. Qui est Miswar ibn Makhrama, les gens ne connaissent pas. Alors que c'est un grand compagnon. Donc cette ignorance-là, c'est une cause pour que la personne elle fasse des choses ou elle dévie de la voie droite. Et bien sûr, avant la connaissance des compagnons, il y a la connaissance du livre et de la sunna. Donc aussi l'ignorance quant aux traces des compagnons et des suiveurs et ceux qui les ont suivis dans l'excellence parmi les savants et les sommités de cette communauté. Les gens ne connaissent pas l'histoire de l'islam. Ils ne connaissent pas qui sont salaf al-salih. Mais on connaît d'autres personnes qui n'ont aucun intérêt à les connaître. Dont on n'a aucun intérêt à les connaître. Comme par exemple les joueurs de football. Ah ben, combien de musulmans j'entends parler ? Voilà mes frères, des arabes, des musulmans. Il te parle de football. Comment on dit ? Sur le bout des doigts, il les connaît. Il connaît la biographie du joueur. Où il a vécu. Comment il a grandi. Quel centre de formation il a été. Quelle équipe, dans quelle équipe il a débuté. Chez qui il est. Combien de buts il a marqué dans la saison. Etc. etc. Il connaît tout. Et il en est fier, en plus de ça. Mais nous lui disons, subhanallah, ne sois pas fier de ça. Au contraire. Et honte, plutôt, cache cette connaissance que tu as, qui ne te profitera même pas le jour du jugement et qui pourra même te nuire car c'est une perte de temps. Plutôt, attache toute ton importance à la connaissance des gens qu'Allah a aimé et a agréé, tabaraka wa ta'ala, qui ont foulé la surface de cette terre et qui constituent pour nous des modèles et des exemples. Là. Sahaba wa man tabi'ahum bi ihsan. Et bien sûr, ici, je ne fais pas une comparaison entre les joueurs du foot et les Sahaba. Il n'y a pas de comparaison à faire entre eux. Sahaba et les grands savants de notre communauté. On ne les compare pas à ces gens-là. Donc, ça fait partie, mes frères, des causes de l'égarement. C'est l'ignorance de tout ceci. Non. Les gens ils ne sont pas cultivés dans l'islam, malheureusement. Il faut qu'ils se cultivent. Par la culture, apprendre qui sont nos ancêtres. Quels sont ceux qui ont porté l'islam jusqu'à ce que leur sang fût coulé, jusqu'à ce que l'islam arrive jusqu'au 21e siècle, et qu'on puisse, nous, Inch'Allah, par la permission d'Allah, puis par la faveur de ces gens-là, ou l'effort de ces gens-là, qu'on puisse cheminer aussi, nous aussi, sur la voie du prophète, à cette personne-là. Sachez que, à titre d'exemple, toutes les terres d'islam, Naam, à notre époque, elles ont été acquises par l'épée, pour la plupart.
C'est-à-dire qu'il y a eu un djihad fi sabilillah. Il y a eu des gens qui ont sacrifié leur vie pour ça. Et ceci, on doit en être conscient. Wa aydan, adam ma'rifat al-qawa'id al-fiqhiyya wal-qawa'id al-usuliyya كالعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم وأسباب النزول وأسباب الورود ألا ترى إلى الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الهرمية. Il dit aussi, parmi les causes de déviance et de dissension, la non-connaissance ou l'ignorance quant aux règles de jurisprudence, ainsi que les règles des fondements de la religion, sur le din ou sur le fiqh, comme le général et le particulier. Al-am ou al-khas, les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Al-am ou al-khas. Des textes qui ont une portée générale et des textes qui ont une portée restreinte. Ou alors, ou portée, il y a des particulières plutôt. Ou alors, l'absolu et le restreint. L'abrogeant et l'abrogé. L'explicite et le sous-entendu. Les causes de révélation des versets et des hadiths. N'as-tu pas vu comment les khawarij sont sortis de la religion comme la flèche transperce le gibier? Effectivement, les khawarij, quelle a été leur erreur? C'est justement l'ignorance des textes religieux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des versets qui s'appliquaient à des mécréants et ils les appliquaient sur des musulmans. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ces versets-là, à la base, ils s'adressaient à qui? Aux gens du livre. Eux, ils les ont pris comme une règle générale, ils les ont appliqués à qui? Aux musulmans. Sans faire de détails ou sans détailler sur ces principes-là. لأنه رسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فهم لا يفقهون ولا يتدبرون ولا يفيدون منه وهم لا يتفقهون بالقرآن العظيم حتى يصل إلى قلوبهم فإنه لا يجاوز حناجرهم كما في رواية والفهم راجع إلى القلب والقرآن لا يمس شغاف قلوبهم ولا يصل إليها فلا يفقهونه وإذا لم يصل القرآن إلى القلب لم يصل إليه فهم على حال وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف فقط وهو القدر الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم. Car l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a décrits, ces khawarij, en disant: ils lisent le Coran, ils ne dépassent pas leur clavicule, c'est-à-dire ici, at-taraqi jam'u turquwa, on l'avait déjà expliqué, c'est-à-dire que le Coran, ils le lisent, mais ils n'arrivent pas à atteindre leur cœur. Ils ne dépassent pas leur clavicule, et dans une autre version, le Coran, ils ne dépassent pas leur gosier. Al-hanjara, c'est al-hanjara, le gosier. Ils ne dépassent pas leur clavicule et ils ne le comprennent pas. Ils ne méditent pas dessus et ils n'en tirent nullement profit. Ils ne s'instruisent pas par le Coran glorieux afin qu'il pénètre leur cœur. Ce Coran ne dépasse pas leur gosier comme ceci a été rapporté dans une version. Et la compréhension relève du cœur. Ont-ils des cœurs par lesquels ils comprennent? C'est quoi qui comprend? C'est le cerveau ou c'est le cœur? Le cœur, là. Ils ne dépassent pas leur gosier, comme ceci a été rapporté dans une autre version, et la compréhension relève du cœur. Donc si le Coran ne descend pas jusqu'au cœur, c'est qu'ils ne peuvent le comprendre. Non. Le Coran ne touche même pas la membrane de leur cœur. Ni ne l'atteint. Ils ne le comprennent pas. Et si le Coran n'atteint pas le cœur, ils ne pourraient le comprendre. Mais il s'arrêtera juste au niveau des sons et des lettres. Et ceci est la partie commune entre ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Effectivement, ceux qui ne comprennent pas le Coran, ils vont s'arrêter à quoi sa lecture? Al-aswat ou al-huruf. Ils vont lire le Coran, certes. Peut-être qu'ils vont lire, machallah, avec une voix magnifique. Comme c'est la mode actuellement. Machallah, il lit bien, le frère. C'est important, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça qui est demandé? Ce qui est demandé, c'est de lire, de comprendre le Coran. Donc lui, il va s'arrêter au son et aux lettres. Et bien sûr, ceci est le tronc commun entre qui? Entre ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Ceux qui comprennent aussi, ils vont le lire. Et c'est le point commun qu'ils auront avec ceux qui ne comprennent pas. Mais quelle est la différence? La différence entre ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas,
c'est que ceux qui comprennent le Coran, qu'ils liront, descendra jusqu'à leur cœur. Non. Seront touchés et ils le comprendront, inshallah wa tabaraka wa ta'ala. فَكَمْ مِنْ تَالٍ لِكِتَابِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا يَفْقَهُ فِيهِ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّيهِ عَلَى الْوَجْهِ وَيَطْبِطُهُ ضَبْتًا وَلَكِنَّهُ لَا يَفْقَهُ وَلَا يَتَدَبَّرُ فِيهِ وَلَا يَفْهَمُ. Combien de lecteurs du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des mondes, ne comprennent même pas ce qu'il renferme. Quand bien même, ils le liraient de façon correcte, respectant scrupuleusement ses règles de lecture. Mais ils ne s'instruisent pas, ils ne méditent pas et ne le comprennent pas. Allah tabaraka wa ta'ala an yazidana ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. وقل رب زدني علما.